Pouf pouf YouTube, pouf pouf Nico. Pouf pouf. Ouais, là je te sens mieux, tu vois. Là je te sens, là je te sens bien. Là t'étais dedans, là t'étais dans ton personnage. Les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Nico, on est sur mon serveur Arma 3 Live pour ceux qui veulent venir. Rasuper.com bien évidemment. Au niveau des news, on est avec OBS. Je teste un truc. Vous me direz. Petite question toute simple. Est-ce que vous trouvez cette vidéo plus sombre que d'habitude? Question. À 3 francs 50, vous avez 2 heures. Tout simplement parce qu'avec OBS, j'ai l'impression que ça assombrit un petit peu l'image. Donc voilà, après, c'est peut-être que comme ça, mais j'ai l'impression que ça assombrit l'image. A noter que Arma 3 a une nouvelle mise à jour. Mise à jour de 600 MO qui date d'il y a quelques jours. Cette mise à jour corrige... Cette mise à jour corrige le bug qu'ils avaient implanté la semaine dernière ou il y a 2 semaines avec le bug du jeu qui crachait. Actuellement, le jeu ne crache plus du tout et grâce à cette mage, le jeu ne crachera normalement plus du tout. À noter, Kicksplit a aussi été mis à jour. Donc en gros, tous les soucis que j'avais avec Kicksplit et Arma 3, à tous les coups, c'est fini. Donc on repassera peut-être sur Kicksplit, là on est sur OBS. Mais on repassera peut-être sur Kicksplit parce que je suis plus à l'aise avec Kicksplit. Et Kicksplit, version payante, c'est au-dessus d'OBS, on peut faire des trucs beaucoup plus cool. Et voilà, j'ai l'impression que l'image est plus sombre. Donc on verra bien. Il y a plus de contracts, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression aussi. Attendez. Voilà. Il y en a un qui se plaint que je joue pas et que je parle. Désolé, jeune loup. Mais ici, c'est chez moi. Donc, du coup, on garde les mêmes armes. Et avec le collègue, on est parti. Je regarde juste. Parfait, j'ai de la bouffe. On est parti. Je dépose les 5000. J'ai équipé la bagnole et tout ça. Hein. Ok, parfait. Pour regarder l'inventaire aussi. Parfait. Ouch! Petit Benelli. Moi, j'ai pas le Benelli. J'ai l'autre, mon Benelli. Le petit GGN Shield. Le dernier, parfait. En plus, t'as pris le bouclier. On en parlait hier, en plus, tranquillement. Ouais, je le prends toujours. Bien joué. Beau gosse. Beau gosse, beau gosse. C'est quoi le bouton pour les bouchons oreilles? C'est F1. Prise de service du sergent Gibbs en attente de dispatch, à vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, du coup, avec la petite soube? Elle glisse énormément. Ah ouais? Ouais. Toi qui vois, si tu veux, on peut la rentrer, on en prend une autre. Ouais, non, c'est bon, on va la garder. Toi qui vois, si tu te sens. Si tu te sens prêt. Quelle voiture, je sais pas la conduire donc. Si tu te sens prêt. Mais celle-là, elle est stylée, j'ai déjà conduit en civil, j'aime bien la conduire, je trouve cool. Ça a l'air plus sombre, moi ouais, j'ai l'impression aussi, mais on verra sur YouTube ce que ça donne. Sinon, tant pis, je relancerai Xplit et je referai des tests. Oui, au niveau des news aussi, j'ai été sélectionné par Twitch. J'ai été sélectionné pour le truc de la playlist bêta. En fait, sur Twitch, à partir de maintenant, j'ai la possibilité de mettre mes rediffs, de faire comme les web TV en fait. Il y a des web TV pendant 24 heures, il y a des vidéos, des streams et tout ça. Sur Twitch, avant, c'était pas dispo. Il fallait lancer OBS et streamer ses rediffs. Maintenant, c'est dispo. Je l'ai, donc je le mettrai en place pour voir un peu ce que ça donne. Et tout simplement, donc, l'idée, c'est que il y a un stream H24. En gros, l'idée de Twitch, hein, c'est ça. Moi, je vais pas le faire, mais l'idée, c'est ça. C'est que sur certaines channels Twitch, le streamer... Enfin, vous allez avoir l'impression que le streamer est en live H24, pas mal. Alors qu'en fait, c'est des rediffs que Twitch met en rond. Ça va. Mec, tu sais que je pouvais l'abattre, sinon, hein. Ouais, t'étais trop loin là. Non, mais t'es fou, je lui mets entre les deux yeux. Bah, du coup, et toi, tu mets pas de gyro, tu mets rien du tout, quoi. T'as été surpris, je pense. Si, Shift F, s'il te plaît. Vas-y. Ouais, la sirène. Bah, vas-y. Tu ouais, vois c'est notre position. Ouais, non, mais c'est déjà notre position, il nous a foncé dedans. What? Oh, champ. On n'est pas mort. Bah, sinon, on rentre et on en met une autre, hein. Ouais, le deux tons, c'est réglé, Giro, c'est pas ça. Rentre sinon, non. Oh, c'était non, magnifique. Et tu sais que... Hein. Tu sais qu'il y a la coupe Subaru, ça va être un carnage, hein. Mais cette... Avec cette bagnole-là. À base de vitesse, elle se contrôle super bien, mais dès que t'as un peu de vitesse, c'est fini. Un peu de vitesse, c'est 200 km/h. Qu'on ait ouais, des... voilà, là, je suis déjà à 50, tu vois, ça monte assez vite. Et après, ouais, elle a de la patate, en plus, c'est ça qui est stylé avec cette bagnole. Ouais, on va changer, je crois, parce que. Pff, on vas-y. Va mourir tous les 5 minutes. Rip attends, d'avance, je pilote je les gens. Je suis blindé en repair kit, hein. Je sais pas si t'as vu, mais.
Ouais, mais si la voiture explose, disons. Au fait, j'ai de la lacrymo, hein. J'ai pris 10 lacrymos sur moi. Ça va chier. Ça va chier, ça D'ailleurs, va t'as été chier. testé lors d'un braquage de banque? Alors? Bah c'est bien, on a réussi du coup avec ça. Ouais. Mais ils se plaignent que ça dure trop longtemps, ça. Ah ouais, mais c'est de la lacrymo, faut pas rester dedans, hein. Ouais, ce que j'ai dit, faut aérer Ah quoi. bah ouais, hein, c'est normal, c'est fait exprès, c'est l'effet de la lacrymo. Si la lacrymo, au bout d'une minute, tu l'as plus, c'est débile, hein. Ah ouais, c'est normal, hein. Ouais, contraste et luminosité pas au top, je suis d'accord avec vous, c'est OBS. Donc je repasserai sur XSplit après, on fera des tests. On est en test, les gens. En fait, c'est pas compliqué. Si on veut faire des tests avec des logiciels de stream, faut stream. Donc ça implique ce que ça implique, être en direct. D'ailleurs, j'y pense pour ceux que ça intéresse. Vas-y, je vais sortir. Dimanche qui vient, donc le 4 octobre à 15h sur cette chaîne Twitch, il y aura un live abonné War Thunder, les gens. Donc pour ceux qui avaient aimé la première version, eh ben, on sera de Je vais tout retour. transférer. Vas-y. On sera de retour ce dimanche, les gens, sur War Thunder. Donc pour ceux qui veulent venir jouer avec nous, venez, on sera sur des parties privées. Et on se tirera dessus comme on le fait d'habitude en fait. Oh, la luminosité, laisse tomber. Dieu, c'est toi, Dieu. T'envoies pas la voiture au garage? Attends, Ah, tu je transfère tout ce qu'il y a fais dedans. transfert. Vas-y, je vais essayer de t'aider. C'est bon, je l'envoie au garage. Vas-y. Ah C'est non, c'est bon. pas. Attends. T'as déjà tout foutu dedans, c'est tout? Au-dessus, on va voir. C'est quoi ce bruit dégueulasse? C'est un moustique. C'était la bagnole qui était devant là. Je la fous beaucoup plus. Mais là, Je vais la mettre en garage pour pas qu'elle soit délaite. C'est quoi, je te la mets en fourrière sinon? Ouais, mais là, faut rien parce que j'ai peur que si je fasse garage, ça soit Vas-y. la mauvaise, tu sais. Ouais, ça Des m'a déjà fait patrouilleuses le coup. car à toutes les unités, Ah! est-ce que qu'elles se chargent de l'appel au secours de Seven Iron? Ah ah! Donc Patrouille Oscar qui a été Non, mise en place. négatif pour Alpha 1. Je vais laisser Nico expliquer ce que c'est Patrouille Oscar. Alors, c'est Ok, ton patrouilleuse annonce, tu Oscar vois. à toutes ces unités, Alpha 1 se détache sur cette intervention terminée. En fait, patrouilleuse car, c'est la patrouille d'officier. Donc c'est lui qui gère tes patrouilles, qui reçoit les messages et qui envoie les unités dessus, comme Ouais. là il vient un peu de faire. Sur TS. C'est la patrouille qui est sur Voilà, TS. sur Hein. TeamSpeak avec le Whisper. Et en gros, quand il y a un braquage de banque et tout ça, c'est toujours le patrouille Oscar qui dirige. En fait, c'est le chef du dispositif, quoi. C'est Exact. le mec qui gère tout, quoi. En fait, on a mis ça en place pour que ce soit un peu plus réaliste et un peu plus sympathique à jouer. En réalité, il y a la SIC. Et en gros, l'idée, c'est que la patrouille Oscar, c'est la patrouille officier. O, c'est Oscar dans l'alphabet. Enfin bref, je ne vais pas vous expliquer, mais voilà. Donc du coup, on l'a appelé patrouille Oscar. Le plus haut gradé se met dedans. C'est lui qui gère tous les appels. C'est lui qui envoie les troupes. Et comme ça, si par exemple, il n'y a que des gendarmes adjoints ou un peu tout le monde, il n'y a qu'un chef. Et s'il y a le mieux, en fait, quand il n'y a qu'un chef, ça va bien. Quand il y a plusieurs chefs, c'est le bordel. Donc du coup, au moins, il n'y a qu'un chef. Il est dans Oscar. Tout le monde prend ses consignes chez C'est Oscar. quoi? Et 0, 4, voilà. 20. Du coup, c'est plus simple, en fait. C'est un petit peu l'idée. Du coup, le chef est toujours dans Oscar. Et vous allez souvent entendre patrouille Oscar pour machin, patrouille machin pour Oscar. Parce que du coup, c'est lui qui gère, en fait. On va plus s'appeler entre nous pour se donner des consignes ou autres. On va dire à Oscar, ouais, j'ai un véhicule devant moi qui refuse de s'arrêter. Et c'est Oscar qui va décider si il nous envoie une patrouille, ou s'il fait rien du tout, ou s'il va nous demander des infos ou autre. Et du coup, c'est Oscar qui va dire, Alpha 1, vous allez aller en renfort sur Alpha 2, et ainsi de suite. Alors qu'avant, c'était Alpha 1 qui appelait Alpha 2, qui lui disait, ouais, viens m'aider, machin chose. Maintenant, c'est Oscar qui gère. Voilà un peu pour l'idée. Physics, nulle attitude, pouf pouf, Il est bienvenue là. à tous. De quoi? Déjà Oscar qu'on a. Watch? Monsieur. C'est lui. C'est lui? Ouais, dit qu'on est sur place, on s'en occupe. Ok. Oscar pour Alpha 5. Oh merde, on n'est pas Alpha 5, on est Alpha combien Allô, nous? Alpha 5. Il y a des Attends, personnes. on est Alpha combien Il nous? y a des personnes habillées en On est noir. Alpha 2, Est-ce que merde. c'était la mafia, monsieur? Autant pour moi, on est Est-ce Alpha que 2, vous pouvez me dire où vous êtes dans on est sur le l'histoire lieu et où la pourquoi personne vous avait êtes là? appelé le 17, hein. On est sur Parce qu'en place. fait, ils sont partis en direction vers là-bas. Qu'est-ce qui Ok, s'est passé? merci monsieur. Tiens, contrôle-le. Je vais voir, il y a une bagnole là-bas. Ouais. C'est le mec qui nous a rentré dedans. Monsieur, vous pouvez rester ici, je vais faire un petit contrôle, monsieur, vous pouvez me présenter une pièce d'identité? Alors,
Monsieur Steven Iron. Très bien, monsieur Iron, je vais vous menoter. On est en plan Vigipirate écarlate, donc pour votre sécurité et la mienne, je vous menote. Vous n'avez rien d'illégal, rien de dangereux sur vous. Steven Iron. Nico. C'était ça tout à l'heure qui nous a rentré dedans. Je crois, bah ouais, je crois que c'est ça qui nous a rentré dedans. Alors, il y a des armes en noir. Il a le permis de conduire. Fouillez joueur, je vais palper les prods. Fais-le avouer. Ouais, avoue. Avoue. J'avoue, c'était moi le corbeau. Oh, c'est bon pour moi. Très bien, monsieur, mettez les mains derrière la tête, s'il vous plaît, le temps que le contrôle se termine. En fait, sa voiture est coincée. Ouais, mais c'est normal. Dès que tu sors de la route, il est bloqué. À mon avis, ça doit être lui. Il s'est fait avoir. Bon, tu sais quoi, dans ce cas, je vais le remenoter. Bon, monsieur, je vous remenote, je reviens, je vais voir mon... À mon avis, c'est pas faire Shift G. Demande-lui tout à l'heure si... Je crois... Non, non, c'est pas ça. T'es fou, c'est pas une Peugeot qui nous a défoncé. Connaître Pierre Smith s'occupe de la patrouille Oscar. N'hésitez pas à me contacter si vous avez... C'est pas ça, Nico. Je crois pas que ce soit une Peugeot qui nous ait foncé dedans. On nous a mis en place une patrouille héliportée qui se compose de... Elle est tellement stylée, la bagnole. Donc n'hésitez pas à... Non, non, je suis pas Oscar. Merci. Je suis Oscar. T'es pas Oscar, toi? Alors pourquoi tu dis Oscar pour Alpha 5? Oh mon dieu, les gars, la radio chaud. Écoute, Simon, si tu sais pas parler à la radio, le mieux, c'est que tu ne dises rien. Je suis Alpha 2, donc ouais, si j'appelle Oscar, je dis Oscar pour Alpha 2. Ouais, voilà. C'est pas plus compliqué que ça, voilà. En fait. Pour faire simple, en fait, on appelle toujours en premier la patrouille qu'on appelle, et ensuite, on s'identifie. Exactement. Et c'est ça partout, normalement. C'est ça partout. Dans la vraie vie, gendarmerie, pompiers, c'est toujours comme ça. Aux États-Unis, faut demander, bah, tant mieux pour eux. Nous, on fait comme ça. Mais ici, on fait comme ça. Ouais. Mais en France. On dit en premier le nom de la personne qu'on appelle. Enfin, c'est pas le nom, parce qu'il n'y a pas de nom sur les ondes, c'est plutôt... Les patrouilles, l'indicatif. L'identifiant, ouais, l'indicatif. Qu'est-ce qu'on fait de monsieur, du coup, Nico? Parce que t'as une poutre sa bagnole. C'est lui, pour toi, c'est lui qui nous a foncé dedans. Mais il est menotté, le mec, hein. C'était une voiture blanche, mais tout à l'heure on était jusque là, il n'y avait pas de voiture, donc c'est bizarre. Du coup on fait quoi? On le ramène jusqu'à Morrison? Ouais, jusqu'à jusqu'à la ville la plus proche. Très bien monsieur, vous pouvez venir avec nous? Attends, je vais le démenoter. Monsieur, venez avec nous, on va vous ramener jusqu'à la ville la plus proche, votre voiture est envoyée à la fourrière. Arrière. Vas-y. En avant. Merci encore monsieur. Ah bah de rien monsieur, c'est bien normal. Pouf! Bienvenue dans ce qui arrive! Ouais, je sais pas, je pense qu'il devait y avoir un piège pour ours. Ça a attrapé ma roue et je peux plus rouler. Ouais, monsieur, pour info, faut pas sortir. Une voiture, c'est uniquement sur la route. Hein. Vous n'avez pas un 4x4, hein, donc restez sur la route. Eh oui, mais j'ai eu peur, vous pouvez le comprendre, avec des personnes habillées en noir. Des personnes habillées en noir? Ouais. Dites-moi en plus, monsieur, concernant les personnes, ils étaient combien? Armées, voitures, couleur des voitures? Deux personnes. Ouais. R8. Ouais. Blanche. Okay, très bien, alors, monsieur. C'est eux qui m'ont vu tête. Ouais, merci, bonne Oscar journée. Pour Alpha 2. Oscar, j'écoute. Transmettez. Ouais, un citoyen vient de nous annoncer qu'il a été braqué par deux hommes dans une Audi R8 de couleur blanche. Donc, à voir si on met un avis de recherche sur ce modèle. Ouais, je vais essayer de passer le message à toutes les unités pour que ils soient recherchés. Ils ont abattu deux agents. Merci de votre information. Et chauffeur, conduis là, commence pas à parler. Patrouille Oscar à toutes les unités. Ah voilà. Patrouille Alpha 2 m'a signalé qu'un civil leur avait dit que l'Audi R8 avait braqué des gens. Donc n'hésitez pas, patrouille hôtel, si vous voyez cette voiture, à nous la signaler. Parfait. Comme ça, on pourra se rendre sur zone. Merci. Parfait, parfait, les gens. Ils vont la rechercher. Bienvenue à ceux qui arrivent. La voiture qui vous a percuté était une Audi. Bah moi je pense aussi que c'était autre chose que la 508. Je pense, ouais. Je pense aussi. On va prendre le Diablos, puis après on ira vers Morrison. Vas-y. Vas-y collègue. Ah, il y a pas mal de bagnoles. Ça on va input ce qui traîne. Ça fait un moment qu'on n'avait pas joué avec la RS4. Ouais. Ça fait un moment. C'est calé. A mon avis, tu sais, ça m'étonnerait qu'elle traîne dans Los Diablos, hein, les R8. Hein. Non, mais elle est partie de l'autre côté, mais ouais, c'est pour faire un petit tour tout à l'heure, il y a pas mal de voitures qui traînaient quand même. Pour se balader. Pour se balader.
Ça va mieux à conduire quand même les RS4. Ouais. Ouais, ouais, c'est plus au niveau maniabilité et tout, c'est mieux. La Subaru, mais ça glisse tellement. Ouais, mais la Subaru, elle est marrante à conduire justement vu qu'elle glisse. Et tu vois, pour l'event, on pourrait très bien bloquer l'autoroute, tu sais, et puis faire les courses dessus, tu sais, genre faire la course entre Morrison et Old Bedford. Enfin, Los Diablos et Knoxville plutôt. J'avais demandé à l'organisateur de l'événement, là, la Subaru, mais ouais. Son parcours en fait. Ouais, ouais, ouais. Et je crois qu'il m'avait parlé. Attention, ouais, franchissement de ligne blanche et tout, là, collègue. Qu'est-ce que tu fais okay. Nico ? Bah, ouais, bah attends. Oh là là, mais on aurait pu le stopper direct aussi. Tu sais que s'il était en R8, c'était fini, on le rattrapait pas, Nico. D'ailleurs, c'est même pas dit qu'on le rattrape. Voilà, bien joué. Bien joué, Nico. Ah, bien joué. Le gars était devant nous à l'arrêt et lui, il stresse. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, il veut jouer. Attention, mais non. Putain. Nico, mais pourquoi t'as voulu lui foncer dedans? Non, j'ai voulu me mettre dedans. Oh là 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 là, je vous jure. Y'a pas de patrouille autour, ça sert à rien, on va attendre. Arrête de lui foncer dedans, on va exploser. Non, mais c'est bon, on remonte, Nico, Nico. La bagnole, elle est morte? Ouais, y'a que le moteur qui en roule, c'est bon. Vas-y, go, go. Allez, go, attrape-le. Qu'est-ce qu'il fait, ce débile? T'es à fond. T'es à fond, là? Bah, arrête-toi. Bah ouais, il y a franchissement de ligne blanche pour lui. Attention. Waouh, mais Nico, qu'est-ce que c'est que cette conduite, les gens? Un mec, il est descendu. Y'a un mec. Monsieur. Putain. Putain. Oscar, pour Alpha 5, on se fait tirer dessus. On se fait tirer dessus. Ok, est-ce que... On va sur notre position, balise activée, on se fait tirer dessus. Merci, on se rend sur vous. Mort. T'es mort? Oh putain, chaud, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dans la voiture blanche, il y avait des mecs armés. Ouais, c'est ce que j'ai vu, j'ai pas compris quand ils sont sortis. En fait, bah oui, moi non plus, du coup, bah moi j'ai tiré direct. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, ils t'ont tiré dessus ou je sais pas quoi. Et en fait, ils ont tiré à travers la bagnole, du coup, mort. Ouais, 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 moi j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, là. C'était un peu le bordel. Un peu le bordel. Je sais pas pourquoi le pilote autour il aurait pu s'en aller quoi. Je sais pas. Ça s'est passé très vite. Au moins le message radio est passé les gens. Vous avez vu, tac. Donc là normalement Oscar. Alpha, j'écoute. Il devrait tilter qu'il se passe quelque chose. Donc là 4 minutes de respawn. La base, il n'y a pas de pompiers donc ça sert à rien de faire request. Pour le moment, restez sur l'exam. Mais par contre, il nous faudrait la patrouille aérienne qui se rende sur zone histoire qu'on ait un peu plus d'informations. Patrouille l'hôtel à. On parle plus à la radio, on est mort. On est mourus, les gens. On est mourus. Des choses qui arrivent. On est mourus. Mais tu sais, à mon avis, le pompe, j'en ai eu un ou deux. Mais après, je me suis mis à recharger. Et c'est peut-être couille. Peut répéter, s'il vous plaît, ou patrouille Alpha, je sais plus. Patrouille Hôtel, la patrouille Oscar. Moi, j'en ai buté un. Moi, j'en ai eu un aussi. Pour avoir les... justement, la... Mais je pensais pas qu'ils étaient autant. De l'officier qui a été tué. Hippo, pouf, pouf. Bienvenue. Je pense que c'est au-dessus du poste de contrôle après. À côté de la mine de diamant. Je pense que c'est sur cette route. Après, j'ai pas eu plus d'informations. Peut-être même sur l'autoroute entre Los Diablos et Morrison. Mais faudrait préciser le lieu. Bon, on est ça, on est entre Los Diablos et Morrison, mais on est plutôt de l'autre côté de l'autoroute en fait. Ouais. On est plutôt de l'autre côté de l'autoroute. Tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. En même temps, on a vraiment pas eu le temps. Tu sais, j'ai fait mon message radio, je me suis dépêché de recharger, c'était déjà fini, j'étais déjà mort. Ah oui, parce que tu m'as demandé ce que tu sais, mais t'as pas vu qu'ils étaient... Ils nous attendent. Non, j'avais pas vu qu'ils étaient... J'ai vu le gars en face, du coup, je voulais me protéger derrière la voiture blanche, mais j'avais pas compris que les gars de la voiture blanche étaient armés. Du coup, quand ils sont sortis avec les armes, bah... Voilà, je me suis dit, waouh, c'est quoi tout ce monde? C'est quoi tout ce monde? Bienvenue à ceux qui arrivent, genre, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Ça commence bien, un petit peu d'action là, les gens. Bon, à mon avis, il faudra revoir un peu notre technique. Parce que, ouais, j'avais pas fait gaffe que la bagnole blanche, c'était des vilains en fait. Parce qu'à la base, il y avait que le gars qui était planqué derrière sa voiture noire. Et en 3 secondes, il y avait des gars armés partout autour de nous. Donc, c'était un peu chaud de. Je comprends pas parce qu'à la base, on contrôle la voiture noire. Donc, pourquoi lui s'est pas barré? Et comme ça, ça laisse à ses collègues derrière, à ses collègues de se barrer en fait, tu vois. C'est fort.
Je sais pas du tout ce qui s'est passé dans leur tête. Voilà, c'était tout. Et peut-être qu'il a fait un accident et du coup il était bloqué, ou il s'est non, dit... il était en plein milieu de la route. Ou il s'est dit je vais m'arrêter pour qu'il se barre, et toi t'as tapé dans la voiture blanche. Du coup on est descendu et puis du coup voilà. Patriot Oscar a... On va voir ce qu'ils font. Patriotel à Oscar, excusez-moi. Oui, Patriot Oscar, j'écoute. Nous signalions une petite fourgonnette au dealer de drogue. Donc du coup, là, vu qu'on est mort, les gens, bah, au okay, niveau de bien. Cette action-là, c'est la fin, on est mouru. Au niveau du dealer de drogue, s'il vous plaît. C'est mouru, c'est mouru. Et nous, en fait, on pue. De quoi? Ouais, ils s'en battent les couilles. De drogue, mais non. Nous, on pue. De Patrouille Alpha 1 à toute unité, bien pris pour Alpha 1. Tu pues. On y va de... Les 4 minutes de respawn qui font plaisir. Un truc qui est chiant avec OBS, je peux pas mettre en pause les recs. C'est pour ça que je retournerai sur XSplit pour voir si la mage Arma 3 et okay, la mage XSplit ont pas réglé les soucis. Les individus, ils sont en Dodge chargeur noir. C'est ça? C'est ça en plus? Non? S'il nous a tiré dessus, c'était une chargeur noire. Direction de fuite, Morrison. Vas-y, on respawn à Los Diablos? Hein? Ouais, y'a pas de secours. Donc. Patriotel à Oscar, avez-vous besoin d'un soutien aérien? Affirmatif. Ah, t'es comme moi, t'es en caleçon. Ouais. J'aimerais bien chercher la bagnole parce que bah on peut aller la rechercher après, on s'équipe et puis on reprend sur la route. Vas-y. Non, je vais pas venir. Oscar pour Alpha 2. Oscar, j'écoute. Ok, prise de service de deux officiers. Officier Nicolas et officier David. Ok, reçu. Et qu'on est mouru. Pour les jeux de patrouille, essayez de vous rendre entre Los Diablos et Los Diablos Morrison, la liaison. Ce qu'on va faire, t'inquiète pas. Prendre Oh putain, j'ai pas d'argent, mais fuck. Prendre le cadeau. À chaque fois, ça m'arrive. Bah ouais, si t'as pas d'argent, qu'est-ce que tu veux dépenser ton argent, Nico? Petite tactique veste gendarmerie. Je viens en carte bleue, c'est retiré sur le compte. Ouais, Oscar, pas de soucis, on va enquêter sur la mort de deux collègues. On va aller rechercher la bagnole. On va pas y aller à pied, on sort une bagnole quand même, Nico. Ouais. C'est quoi, on va sortir le Sprinter? J'ai toujours rêvé de le conduire, celui-là. Par contre, j'ai pas d'armes. Tu sais, c'est fini, j'oublie le Benelli pour un petit peu, on va prendre autre chose. Parce que je suis un peu dégoûté d'être mort bêtement. Moi aussi, je vais prendre autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont, les sergents? Oh, ils ont une M4 Vector, les sergents. Ouais, mais c'est 556, c'est un peu naze. Ah bon? Et qu'est-ce que tu prends, toi, alors? Négatif, elle est pas noire, elle est bleue, et quand on est parti pour aller sur l'autre intervention, elle était toujours au dealer de drogue. Scarache, tu le trouves dans quelle catégorie? Adjudant. Adjudant. Avant, je prenais toujours la HK, et là, je prends la... Vas-y, moi je vais prendre la HK. On va prendre 20 chargeurs. On va prendre à bouffer. Donuts. Une JVN, une carte et tout ça. Ouais, mais les JVN, je les ai déjà, je pense, non? Non, tu les... En fait, t'as plus rien. Ok, merde. Tu fais bien de me le dire parce que j'aurais pas l'air bête. Marché de la police. Attends, les JVN. Ah oui, ici, c'est dans vestiaire, les JVN. Non? Non, on les non, achète. Non, c'est... non, non, ouais, c'est. Ah, non, c'est dans les armureries normales, ouais, c'est vrai, j'allais zapper. JVN. Je vais prendre de la lacrymo, tu sais, c'est ça que j'aurais dû jeter. Oscar, la lacrymo, ça aurait été tellement drôle. Putain, on est obligé de tout racheter, les gens, la fête. Et on va prendre un petit radar gun. Ok, c'est mon collègue. Pour moi, c'est good. Regardez, 425 pour les petits enfants. Vas-y, on va aller tester ça, on va les récupérer. Ils sont morts, je crois, en plus. Et quoi? Les collègues sont morts. Tu viens? Attends. Vas-y, collègue. Vas-y. Il est tellement stylé, ce petit van. Un véhicule que j'aimerais bien avoir pour ceux qui savent faire de la modélisation 3D et qui veulent nous faire une voiture, c'est le Renault Trafic CRS, qui est tellement stylé. Qui est tellement stylé. Alors, j'ai des armes rouges, roses, or et vert de couleur, ça t'intéresse? Ouais, moi j'ai déjà trouvé des armes avec les skins CSGO aussi. Je sais que c'est dispo. Allez, t'es où la RS4 sur l'autoroute à gauche? Ouais. Ok, on va aller voir ça. La petite URP. Alors, on va voir où elle est. Ouais, elle est là. Y'a des gens ou pas?
Ouais, y a des gens à terre. Mais... Oscar pour Alpha 2. Oscar, j'écoute. Ouais, on est sur les lieux de la fusillade. Deux officiers retrouvés morts. On s'occupe des détails. Ouais, hop. Ok, bien reçu. On met le petit. Oh non! Mec, j'ai enroulé le sprinkler. Oh la vache, on vient de perdre tous les pneus du sprinkler. Qu'est-ce qui se passe? Pas grave, de toute façon, on le met en fourrière, on va prendre le. Ouais. Ok, ça marche. Attends, je delete tout du mec là, tout ce qu'il a. Vas-y. Au pire, je peux delete les corps, ça fera plus propre. Putain, c'est chaud ce bug, les gens. Tu delete en même temps. Non, mais moi, si je delete, c'est les corps. Pour éviter que ça traîne par terre, tu vois. Pas le stuff. Te mets pas devant moi, si je délète tout, le corps, les stuff et tout. Fais gaffe, y'a un gars qui arrive là, Nico. Ouais, reste pas à côté, parce qu'attention, quand je délète... Tiens, hop, t'as vu? Qu'est-ce qu'il fait? Hop là. Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur, arrêtez-vous! Bonjour, monsieur, sortez du véhicule, s'il vous plaît. Bonjour. Monsieur, vous savez pourquoi on vous contrôle? Franchissement de ligne blanche, le vilain. Bon, en plus, il le sait. Monsieur, si vous le savez, pourquoi vous le faites? Il est débile. Bah, ouais, c'est le mot. J'ai de la rejoindre dans l'hôpital et du coup, j'ai pas trop de temps à faire. Votre femme est enceinte? Oui. Bon, très bien, monsieur. Bon, pour cette fois, ça passe, mais la prochaine fois, roulez mieux. Hein. Bon courage pour votre femme, monsieur. Au revoir. Bon, sa femme est enceinte, collègue. Oscar, j'écoute. Voilà, il m'a pris. C'est pas là-bas, tu reblanches de nerf, c'est là-bas. Il m'a pris par les sentiments. Jean, sa femme est enceinte. On peut pas. Jean, on peut pas. On peut pas. Vas-y, viens. Voilà. C'est une raison RP, les gens. Une raison débile, mais une raison RP. Voilà. Moi, je vote pour. Moi, je vote pour. Alors, collègue. Du coup, qu'est-ce que tu voulais faire là, la voiture blanche? Hein? Je sais pas trop où aller. Je sais pas. Je pensais pas qu'on allait traîner autant dans Los Diablos. Ça tire! Ok. Oscar pour Alpha 2. Oscar, j'écoute. On est sur Los Diablos, on a entendu des coups de feu. On est en recherche du tireur. C'est moi qui... Ah ouais, j'en étais sûr quand je l'ai vu. Je voulais tester une arme. Ok, c'est reçu. J'en étais sûr. Quand je l'ai vu, je me suis dit, à tous les coups, c'est un flic en train de tester son arme. L'âge moyen du serveur, 43 ans. À peu près. Le plus vieux, il y a 60. Patriotel, je Nous avons à ce moyen du serveur, on doit être sur une majorité, donc un petit 18. Vous avez eu, il y a pas longtemps, il me semble, l'individu se cache derrière une église. Est-ce que ce serait possible qu'il y ait une unité derrière une église? Okay. Il est où? Il se trouve où? Je sais pas. Ok, je passe le message à Patrouille Alpha 2. Patrouille Alpha 2, est-ce que vous pouvez vous rendre sur Los Diablos? Attendez, je vais. On est déjà sur Los Diablos. Non, Knox, c'est Knox, l'église. Pour voir si l'individu est toujours présent et si vous pouvez, pardon, l'intercepter. Ok, c'est reçu. Au niveau de la personne à rechercher, on a des infos. Tenue, voiture. Je vous laisse regarder ça avec Patrouille Hôtel. Hôtel pour Alpha 2. Au niveau de l'individu qui est recherché, est-ce qu'elle est armée et comment la reconnaître? Affirmatif, elle est bleue. Je vais vous donner la... Elle est armée ou... véhicule dans quelques secondes. Ok, vas-y, c'est une voiture bleue. Ok, il est là, il est là. Ok, on l'a vu, on l'a vu. Il est armé ou pas, hôtel? Affirmatif. Y'a gars, Nico, nous laisse pas en plein milieu, là. Ok, parfait. Ok, c'est reçu, on est sur zone. On descend, on va aller voir. Vas-y, collègue, vends-moi du rêve. Non, toujours là-bas, fais gaffe. Donc, je récapitule maintenant, ils sont deux hommes armés. Ouais, ouais, ouais. Gendarmerie, rendez-vous! Rendez-vous, on fera feu! Gendarmerie, main sur la tête! Main sur la tête, gendarmerie, tout de suite! Gendarmerie, mettez les mains sur la tête! Mettez les mains sur la tête! Ouais, bon, on se fait tirer dessus. Ok, j'ai eu celui près de la bagnole. Ok, attends. Gendarmerie, mettez les mains sur la tête! Putain, je suis bloqué, fais chier. Patrouille Hôtel à Oscar. Patrouille Hôtel, patrouille Oscar. Vas-y, on pousse.
Mon copilote a été tué. Il est à côté. Il est planqué derrière le mur, le gars. Lequel que c'est le deuxième, il est planqué derrière le mur. Négatif, un fusil, justement. Les hommes qui étaient à terre, qu'on a signalé. Attends, je vais lui mettre une flash. Vas-y, okay, vas-y, vas-y. Il est où, il est où? Essayez de vous rendre vers l'hôpital le plus proche pour essayer de soigner la personne. Vas-y, flash. Je l'ai eu, je l'ai eu. Ok, on est sur au niveau de la banque, deux cibles tuées. J'ai une assistance du coup. Ouais, okay, parfait. Rapproche-toi tout doucement, j'avance les RS4. Ouais, y'a un gars qui est près d'une voiture de police là. Monsieur, madame, s'il vous plaît. Attends, y'a un gars qui loot les corps là. Bonjour. 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 Je peux savoir ce que vous faites près de la voiture de gendarmerie? Vas-y, occupe-toi de ça, je vais de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Je fais un peu de sport. Vous avez ramassé quelque chose? Non. Bon, est-ce que vous pouvez déposer votre tenue par terre, s'il vous plaît, que je vérifie? Vu que vous n'avez rien à cacher, ça devrait pas poser de problème. Et là, de suite, c'est un homme. Les gens, le choc! Le choc! Ok, ça va, y'a rien. Hop, je vais peut-être un petit... Très bien, on pouvait récupérer votre tenue. Ne vous approchez pas des voitures de gendarmerie, s'il vous plaît. Oscar pour Alpha 2. Ok, désolé. Oscar, j'écoute. Ok, je suis sur Knoxville. Je viens de découvrir une 508 gendarmerie ainsi qu'un corps. Pas plus d'infos concernant l'histoire. Je m'occupe de l'affaire. Très bien, monsieur. Ah, c'est vrai. Et quoi? Hein, faut que je sorte le corps de la, du mec dedans. Ouais. Ouais, sinon tu pourras pas. Je teste ça. Putain, c'est chiant, je vais devoir me faire chier à ramasser tout ce qui est par terre, là. La loose. Putain, et la HK417, mais magnifique, hein. Non, mais je te dis, ça fait... Je fais des fois, je fais des doubles avec ça. J'arrive à tuer deux mecs d'un coup. Des doubles, intéressant. Ouais. Merde, je peux pas délaiter les trucs qui sont par terre, comme ça. Ah, prends-les, au pire. Ouais. C'est touche Windows pour les prendre. Ouais, ouais, mais faut bien viser, hein, c'est chiant. C'est le bordel à ramasser à chaque fois, ces conneries. Ah, c'est bon. Oh, des donuts! Des donuts! Ouais, faut bien se positionner par rapport au truc, c'est toujours le bordel à ramasser, ça. Ouais. Toujours le bordel. Bon les gens, nous pour cette vidéo on va se tester là-dessus. Bien cool, pour le moment on a géré. On pèse les gens, on pèse. Merci à Lucas, Bastoun et à tous ceux qui ont sub et qui ont follow. Les gens, on se teste là-dessus pour cette vidéo. Bisous, tchou. Et pour YouTube, vous me direz comment trouvez-vous cette qualité vidéo. Plus clair, plus sombre, plus fluide, plus joli. Vous me direz. Bisous, disparition.